Salut, alors moi c'est Christophe, ancien élève de la méthode Shuriken proposée par Yann Ho. Donc je vais tenter dans cette vidéo de vous donner mes impressions suite à la formation. D'accord? Donc elle va s'adresser essentiellement à tous ceux qui ont commencé à prendre des infos sur cette formation pour débuter dans la MAO. Aussi pour les personnes qui sont intéressées par une formation pour débuter et qui cherche déjà une formation sérieuse. Donc je vais vraiment vous donner mon avis personnel suite à ces 3 mois avec Yann. Et peut-être ça pourra vous éclairer. En tout cas, vous donner des infos qui, je pense, pourront vous servir pour faire votre choix ou pas sur cette formation. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Que déjà, moi, ce que j'ai constaté dès le début, c'était dans le langage. La façon de s'exprimer. Ça veut dire que je voulais dire des choses, faire comprendre des choses, et en fait, j'avais du mal. Un discours un peu amateur, on va dire. Donc, avec Yann, tout ça, ça a rapidement évolué. Il a su faire ça simplement, donc vraiment en douceur. Et c'est vrai que, au fur et à mesure, dans ces 3 mois, ça m'a permis d'utiliser des mots, des termes, un peu plus techniques et à mieux me faire comprendre. Déjà, ça, c'est une première chose. Après, ce que j'ai constaté, moi, c'est que Yann, il sait nous faire agir et réagir comme un artiste professionnel. Il sait quoi dire pour que l'on se pose les bonnes questions et qu'on y apporte les bonnes réponses. Vraiment, tout est pensé et mis à disposition pour créer rapidement et efficacement. Ça peut être avec des PDF, mais aussi de nombreux liens qui vont nous permettre d'accéder rapidement à ce que l'on cherche. Il faut savoir que cette méthode, la méthode Shuriken, est applicable à tous les styles de musique. D'accord? Ensuite, j'ai envie de dire que je l'ai trouvé vraiment à la disposition de ses élèves. Des premiers échanges par email au premier appel téléphonique pour connaître ma motivation réelle sur mes ambitions, il a toujours pu apporter des réponses aux questions que je me posais pendant la formation. Je ne suis jamais resté sans savoir quelque chose. Les échanges par mail sont très efficaces. On parle de 24 heures pour avoir des réponses. C'est vrai. Maintenant, ça peut être 48 heures. Il est quand même super occupé. Quoi qu'il en soit, il sait toujours apporter les réponses et il est toujours là pour vraiment. On n'est pas sans réponse de sa part. Donc ça, j'ai trouvé ça assez génial. J'ai envie de dire, le petit bémol pour moi sur cette formation, ça a été le logiciel utilisé, à savoir FL Studio. Pour ma part, j'étais sur Mixcraft 8. Donc, c'est vrai que j'ai dû m'adapter à la formation sur mon propre logiciel. Donc, c'était pas évident au départ. Donc, si j'ai un conseil à donner là-dessus, bien choisir son logiciel et pour éviter de changer par la suite. Donc, ça, ce serait déjà un bon point. Le rythme est assez soutenu, c'est vrai. Il faut faire preuve de persévérance et vraiment avoir une motivation à toute épreuve, parce que c'est vrai que y a du boulot. Donc, voilà, on va pas se mentir, il y a du taf. Donc, par rapport à ça, j'ai envie de dire qu'il faut lui faire confiance et suivre ses instructions, comme elles sont données dans la formation, dans la façon de faire, mais aussi dans le temps à consacrer au quotidien pour passer d'une étape à l'autre au fil des semaines. Avant la formation, je n'avais aucune connaissance en MAO, aucune méthode de travail. Pour vous donner une idée, j'utilisais des patterns prédéfinis que je trouvais dans mon logiciel. J'en rajoutais encore et encore, sans savoir où j'allais vraiment. Clairement, c'était un beau bordel. Autre exemple, mes tracks ne comportaient aucune structure musicale. Pour faire simple, j'avais beaucoup d'ambition. Deux projets, mais aucun résultat.
Je n'ai rien concrétisé en 4 mois passés sur Mixcraft. De plus, la formation Shuriken m'a obligé indirectement à mieux connaître mon logiciel de création et à être beaucoup, beaucoup plus rapide dans son utilisation. Au jour d'aujourd'hui, après 3 mois de formation, ça fait 3 semaines que j'ai terminé, c'est le jour et la nuit. J'ai gagné en assurance dans mes projets, en autonomie, dans la façon de créer mes tracks, comment avancer dans mes créations et pourquoi j'avance de cette façon. Je suis capable aujourd'hui d'avoir une vision dans le futur sur mes sons et j'ai la capacité à ce jour d'arriver à mes fins. Exemple, je crée aujourd'hui mes propres patterns et je n'utilise plus de patterns prédéfinis. J'ai aussi accès à mon espace membre, même après la formation. Donc, en cas de doute, je peux consulter les vidéos de la formation à tout moment. Quand même super pratique. Il n'y a vraiment aucune comparaison à faire entre avant et après la formation. Avant, mes sons n'étaient ni faits ni à faire. Après, je suis clairement plus crédible aux yeux de la profession et je suis enfin pris au sérieux aux yeux des autres DJ. La méthode Shuriken, ce n'est pas 3 mois de formation en Mao, mais plutôt gagner du temps au lieu d'en perdre dans la création musicale. Clairement, je recommande cette formation proposée par Yann. Je la trouve vraiment au top, mais encore une fois, c'est sûr qu'il y a du boulot, mais après, on ne va pas se mentir, ça change la donne mais à un point qu'on ne peut même pas s'imaginer. Donc, mon petit avis personnel, vous pouvez aller voir Yann les yeux fermés, prendre des renseignements, éventuellement peut-être devenir un futur guerrier, et je ne pense pas que vous allez le regretter. À la prochaine, peut-être, et bon courage à vous pour la suite. Bye.